Complètement. Il y a un mammouth là-bas. Est-ce qu'on n'essaierait pas de le... Tu veux qu'on aille fumer un mammouth? Mais on n'arrive même pas à tuer un triceratops, gros. Bah alors franchement, entre un triceratops et un mammouth, triceratops ça a l'air plus dur qu'un mammouth quand même. Bah IRL, on dit pour sauver ta famille, il faut que tu choisisses, tu vas tuer un mammouth, un triceratops. Bon déjà dans tous les cas t'es dans la merde, hein, quoi qu'il arrive. Dans ta famille t'es pas Déjà? sûr de la revoir, c'est sûr. Mais à choisir je pense que je me fais le mammouth. Ah, tu te fais le mammouth? Ah non, moi Je non. tente le mammouth, plutôt que le triceratops. Moi je me tape le tricé. Hein. T'es malade ou quoi? Mais un triceratops, mais c'est énorme! C'est énorme, Mais mais c'est surtout que ça a d'accord. la peau méga dure! Mais un mammouth, tu crois que c'est pas énorme, vraiment? Mais si, c'est énorme, mais c'est mou! C'est C'est énorme, plus mais mou qu'un triceratops! Sur l'échelle de mollesse, je pense que le triceratops est en dessous oh non, oh du... non, 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 il y a un Thierry là. Bah j'en sais rien, moi dans le chat, qui est le plus mou selon vous? Le triceratops ou... Je vais faire un sondage, je suis désolé! Vas-y, fais un sondage. Qui est le plus mou? Selon vous, qui est le plus mou? Ah! Ah, je me suis fait attaquer! Ah Et non! moi je considère que plus un animal est mou, plus il sera facile à tuer. Alors peut-être qu'à un moment donné, s'il est trop mou, c'est plus difficile parce que du coup, ce sera difficile de le... Mais je pense pas que la peau d'un mammouth soit si mou que ça, hein. Mais par rapport à un tri... la peau d'un mammouth est plus forte que la mienne, par exemple. Mais par rapport à un tricératops, je comprends pas qu'on puisse avoir ce débat, Edgy. Le mammouth, clairement. Bon, attends, on va faire le sondage parce que là, il faut que le chat. Comment on fait un sondage dans ce putain de truc là? J'en ai un sondage. Nouveau sondage. Attends, mais je suis en train de crever là! Ah putain, mais il y a des insectes de merde qui bouffent mon. Triste. Non! Oh putain, il veut se poser tout de suite le glandu là? Faut que je défende. Attends, faut que je vienne t'aider alors, Ah ouais, non, là, partout. faut que tu viennes m'aider. On va sortir le fusil à pompe pour chasser les insectes. C'est un peu too much, non? Non, non, ouais, c'est pas too much, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais il est en train de bouffer le cul de modèle réduit! Non! Modèle réduit, tire-toi! Oh putain, ça va, modèle réduit? Ça va, il a rien senti. Bon, question. Qui est le plus mou? Le triceratops? Le mammouth? Ah, tu vois, ces petits insectes de merde, ils avaient de la chitine. Voilà. Hop, je commence le sondage. Là, clairement, il y a des moments où il faut savoir poser des vraies questions. Non, mais c'est important que le monde le sache, tu vois. Moi, je suis Et moi, désolé, hein. franchement, Déjà, le mammouth. je tente le tresser, hein, parce que le mammouth, dès qu'il fait un pas de mammouth, il fait trembler la terre, donc déjà, t'es pas très stable sur tes appuis. Il te charge, mon pote, c'est un building hein, qui te charge. Hein. Mais bien sûr, mais tu crois qu'un triceratops qui te charge, c'est un Yorkshire? Non, c'est un building aussi. Sauf que c'est un building avec trois cornes de bâtard, une collerette renforcée et sûrement une peau qui est plus épaisse que mon boule. Alors ça, on n'est pas très sûr. Plus facile à buter le tricé. Non, mais là, les enfants. Mais voilà, c'est bien ce qui me semble, mais en même temps, c'est Donnez-moi vos logique. arguments! C'est logique, mais la taille du truc et un mammouth, c'est Godzilla, frère. Mais un triceratops, mais c'est énorme un triceratops aussi. Mais t'as bien vu la différence de taille qu'il y a là face à un triceratops et un mammouth. Un triceratops, c'est comme un gros éléphant. Un mammouth, c'est comme 14 gros éléphants. C'est le Non, il y a un délire, problème en dans fait. ton échelle Jamais été Je doué suis pour faire désolé, les mais ça échelles. se terminera sur Wikipédia avec les tailles estimées des mammouths et des triceratops et on va comparer tout ça. Je serais tenté de dire que le triceratops, franchement, je pense qu'il y a un ordre de grandeur de 1,5 à 2 fois plus lourd qu'un mammouth. Facile sur un triceratops. Ah, tu penses qu'un triceratops c'est plus lourd qu'un mammouth? Ouais. Ah non. Ok. Alors là, Ah, vous me sûr faites. que non. Tu me fais chier. Non, Poids du mammouth. franchement, non. Poids du mammouth. Putain. Ah, 6 tonnes quand même le mammouth. Ouf, Ah je suis plus très sûr de mon délire là. Poids du tiercé, non, triceratops. oui. Du tiercé. Alors, un petit quarté 4 et plus. Ah ouais, ok. Alors du coup... Alors du coup, en gros, en gros, le plus léger du triceratops, c'est plus lourd que le plus lourd du mammouth.
J'ai rien compris. T'as Ce eu que je tort veux ou dire, c'est pas? que l'échelle, le mammouth, ils disent 6 tonnes. Turnip, ma question est simple. T'as eu tort ou pas? Non, c'était juste que je voulais t'enfoncer, mais je vais le dire clairement. Non, ils disent que, en gros, ce que j'ai vu rapidement, c'est que le poids du mammouth, c'est 6 tonnes. Le poids d'un tricératops, c'est 6 à 12 tonnes. Ouais. Ouais. Je suis pas trop sûr de ton truc là. Je lance de l'enfumage là. Moyenne de 7 à 8 tonnes. 7 à 8 tonnes. Voilà, le triceratops, soit 7 à 10 mètres de long, tranquille. Oui, mais après, t'as. Et puis un mammouth, c'est juste 6 tonnes. Bah, c'est pas mal quand même. Juste 6 tonnes. Oh, c'est quoi ce petit truc? Après, le Ah mammouth. ouais, donc un triceratops peut être plus lourd. Bah, du coup, moins mobile. Donc, plus de facilité à buter. Ah ouais. Donc en fait, du coup, ton argument du mammouth avant en pensant qu'il était plus lourd, tu l'utilises contre contre-argument du triceratops. C'est Ouais, ridicule. T'es vraiment en train de niquer tout le monde là. Non, mais Après, après, je dis pas qu'un mammouth, ce serait facile à tuer, Mais attends, attention. il n'y avait pas que le poids dans ma théorie, il y avait la taille aussi. Mais bien sûr. Ouais, bah... Et c'est Oui, quoi donc, du alors. coup, la taille d'un tricé et la taille Alors, je d'un pense que mammouth? pour le coup, un triceratops, c'est sûrement plus ramassé qu'un mammouth. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais Voilà. c'est pas la hauteur qui doit entre un mammouth et une girafe. Ça va être la girafe qui va niquer le mammouth, je crois pas. Oui, mais frère, là-dessus, tu rajoutes la longueur des cornes d'un mammouth. Oui? Ah non, mais ça, je suis d'accord. Mais je suis pas en train de dire que c'est Ah. inoffensif un mammouth, hein. J'ai pas comparé un mammouth Mais à non, moi, un. tu me dis, tu préfères mammouth ou triceratops affronter? Je te dis triceratops. Là, Ah bah tu moi, t'es dit, je dis mais c'est pas mammouth. possible, t'es vraiment qu'un sombre connard à être dit J'ai de pas dit penser ça. ça, je te T'es parle, je te traitais peut-être de grosse vraiment merde, mais pas de gros connard. Ah, alors des mâles auraient atteint le poids de 12 tonnes. Certains mammouths atteignaient 5 mètres au garrot. C'est marrant, ça se voit à peu près en fait, le triceratops et mammouth. Ah, d'accord, donc finalement on a carrément un débat stérile en fait. Non, Parce que si les deux finalement vivent bon et parce que on a des preuves dans l'histoire que l'être humain a vaincu des mammouths, on n'a pas de preuves dans l'histoire que des êtres humains a tué des triceratops. Et on n'aura jamais la c'est preuve faux. puisqu'ils sont pas du tout contemporains. Alors Mais. ça c'est faux, parce que moi j'ai suivi Je donc sur connais un une pote. chaîne. Je connais un pote. Il a buté un triceratops l'autre jour. Il était Non mais c'est faux dans donc le 9-3 et il se promenait tranquille. Je suis une chaîne vraiment très portée sur la paléontologie qui s'appelle Baki. Et Ouais. ben, il y avait un homme, il mangeait des T-Rex avec ses dents. D'accord. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, Oh putain, Thierry! Ouais, non, faut faire gaffe au Thierry. Bref, bon. On ne saura jamais, mais moi je pense que quand même. Ah, Triceratops, t'as vu la gueule du machin? J'ai une photo de Triceratops à côté de moi. Mais frère, le mammouth, il balaye juste devant lui, rien qu'avec la longueur de ses cornes. Mais t'as vraiment aucune zone où tu peux t'échapper, frérot. Ah ben, non, mais bien sûr, mais. Oui, d'accord, mais Triceratops non plus. Je veux dire, Mais non, mais ça tu vas décorne. t'échapper 3 minutes de Non, plus, mais mais ça si décorne. t'arrives pas à le percer le Triceratops, il t'encule, hein, le machin. Bah après tu le perces, voilà, tu le perces avec des petits picots dans les yeux. Non mais Ah, ce que faut je bien veux les dire tuer, tout petits yeux. par là, si tu le. T'as tellement moins de marge de manœuvre avec un mammouth, pardon, qu'avec un tricé. Parce qu'un tricé, en fait, il va juste charger. Parce qu'avec ses cornes, il va pas pouvoir t'atteindre facilement. Un mammouth qui charge tout en balançant de gauche à droite sa tête, là t'inquiète pas qu'il va Alors t'avoir, hein. effectivement, il peut peut-être couvrir une plus grosse zone. Oui, d'accord, ouais. Voilà. Mais Donc, quand bien même. tout ça pour. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, tu m'as posé la question de ce que je préfère affronter. Je préfère affronter un putain de Ouais, bah triceratops. ok, bah écoute, Merde. eh bien, sache que justement derrière toi il y a un triceratops et tu vas devoir l'affronter. Les caméras sont là, ici et ici. D'accord, et toi, tu iras affronter un mammouth. Mais oui, mais je dis pas que je vais survivre. Mais j'ai pas. Mais pourquoi c'est toi qui. Mais c'est toi qui essaie de me mettre dans la sauce en me disant, vas-y, si t'affrontes un truc, et après le gars, mais t'es un escroc, mon Non, gars. je dis C'est pas juste que. vrai. Ah bon, à choisir. Mais les mammouths, quand nos ancêtres chassaient le mammouth, ils y allaient pas tout seuls avec un canif, hein. Ils y allaient à une bonne douzaine et ils en chiaient. Hein. Bah oui, t'avais beaucoup de morts, hein, ça c'est Ah ouais. sûr. Hein. Mais bon, à choisir. Je me sens que j'ai le sentiment au fond de moi. J'aurais plus de chance face à un mammouth qu'à un triceratops. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et toi, tu penses l'inverse, mais t'as le droit. Bah oui, voilà. Merci, T'as le Turnip. droit. Bah C'est tout.
C'est tout. Bon, sache que les résultats du vote sont que... Ah merde, je les ai perdus. Bon, les résultats, qui est le plus mou? Ah, c'est la même question. 50-50, mais vous êtes des connards. Je vous aime le chat, vous pouvez pas savoir. C'est excellent. C'est un attendu. C'est... Qui veut gagner des millions? Tu dois hésiter à trop de questions, tu fais le 50-50. Ah, c'est exactement les deux réponses que j'hésitais, c'est génial. C'est ça, tu fais appel du public, t'as 25-25-25-25. Voilà, c'est ça, tu fais un putain. Le débat reste, le débat reste entier. Donc bah, n'hésitez pas dans les commentaires vous, à savoir qu'est-ce que vous préfériez affronter, un Triceratops ou un mammouth. Voilà. Voilà, parce que nous on a vraiment des débats intellectuels. Mais du coup on a appris plein de choses. On a appris plein de choses. La seule chose que j'ai pas trouvé, c'est l'information de la vitesse de course d'un mammouth, mais je pense que c'est pas mal. Apparemment le Triceratops il se tapait des petites pointes à 32 km/h, qui est pas dégueulasse quand même. Ah ouais, mammouth, 32 ouais. Je pense pas qu'un mammouth aille plus vite qu'un tricé. Et tu sais qu'un éléphant, par exemple, ça couvre méga vite. Plus qu'on ne s'imagine. Mais genre méga vite comme un guépard? Ouais, on va se calmer quand même. C'est un éléphant. D'un moment, le guépard, il aurait la quinte. Il est tout maigrichon et il se fait dépasser par un truc qui va faire en plus 5 ou 6 tonnes. Vas-y, quoi. Vitesse de l'éléphant. Putain, mais mon historique ce soir, il va être incroyable. 40 km/h. Voilà. Un éléphant 40 km/h, un éléphant. T'imagines, oh, t'imagines un troupeau d'éléphants qui fonce vers toi à 40 km/h? Non mais c'est un éléphant, bah, c'est l'Usain Bolt des éléphants, attends, c'est pas tous les... On peut faire... Le chevreuil, faire... Putain mais les gars... Ah mais c'est chez Google, il me donne des réponses non, mais... à moitié juste, du coup il me dit... En après, fait, il parle du chevreuil, si tu veux on peut remettre le truc un peu de façon contemporaine. Tu préférais affronter un rhinocéros ou un éléphant? On va pas être d'accord. Voilà. Franchement, l'éléphant, quand même. Et bah là, par contre, je te rejoins, tu vois. Parce que le rhinocéros, c'est des gros bourrins. Un éléphant ou un hippopotame. Les hippopotames, c'est des psychopathes. Ah, les hippopotames, ouais, ça fait pas rigoler un hippopotame. Non, mais le rhinocéros, il fait du 50 km/h. Ah ouais, 50 km/h, ouais. Alors il est plus petit, hein, il balaye moins, mais alors lui quand il te rattrape, il t'encule. Hein. Lui, c'est fini. Il t'attrape, il soulève ta daronne en deux frames et il recommence avec toi après. Hein. Il est jamais rassasié, pas de problème. Bon, par contre c'est cool, mais on y voit que dalle hein, dans ce pays. Surtout hein. Que ma torche elle est cassée du coup. Mammouth 30 km/h. Apprendre les dinos avec Tony Page. Bah voilà. 30 km/h, 32. Ah bah tu vois, il... Mais en fait c'est kiff, mais donc du coup le mammouth, il... En fait c'est après c'est toute sa hauteur en fait qui va faire la différence mais avec le triceratops. Moi je pense que je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un peu kiff. Alors j'ai l'impression que le triceratops c'est quand même plus lourd en termes de poids. Mais moi la variable ça reste l'épaisseur de la peau. Qui d'instinct me paraît plus épaisse. Mais c'est peut-être un peu une espèce de tu vois de non, biais. Moi, cognitif ouais, de là, se dire qu'en fait les dinosaures avaient des peaux très épaisses. Je pense que oui, mine de rien, mais quand même. Je pense que oui, mais après il y a. Non, décolle pas. Décolle. Je pense que pour blesser. Oh putain. Oui, t'as vu, il y a un gradant de sable ou je sais pas quoi. Ouais. C'est pareil, hein. Je pense que si tu veux, si tu réussis. Allez, admettons, on a tous les deux trouvé une arme qui permet de percer aussi bien le tricé que le mammouth. Moi, pour moi, je pense que vu toute la graisse que contient un mammouth. Alors, pour le coup, alors oui, alors si oh, on putain, dit. Qu'est-ce que c'est que ça griffon, frérot? Tu te fais attaquer par un griffon? Mais y a pas de griffon, alors ça, par contre, des griffons, ça n'a jamais existé. Mais si, derrière toi, t'as un griffon. Ouais, il m'attaque aussi. Bon, faut se barrer bah de oui, frérot, bah, pourquoi, pourquoi il t'attaquerait pas? Mais parce que je m'attaque moi alors que j'avais voté mammouth. Si, j'avais voté griffon, vas-y. Ok, j'ai plus la gueule d'un serpentard, mais quand même. Oh, si on se posait là, tranquillement, là. Bah, mais non, on peut pas. Quoi, on peut pas? Parce que je me fais bouffer le cul. Bah, c'est bon, mais j'ai pu me poser, moi, je suis là. Mais non, il est encore là, il est marqué griffon. Hein. Et putain, mais tu veux que je fasse quoi? Si j'y vais avec le mien, ça va être le décès. Je vois rien, ça me saoule. Ah, putain.
Oh, faut que je sorte le pompe, mais je vois rien, ça me saoule. Alors attends, parce que si t'es vraiment mal pris, je vais essayer de venir t'aider quand même. Ça a l'air d'être pas mal le fusil à pompe. Hein. Il est où ce bâtard? Oula. Oh, oula. Oh, ça va mal finir cette histoire. Oula. Oh, ça va très mal finir pour le petit turnip là. Oula là. Putain, j'y vois Cud. Il arrive là. Il veut me boulotter. Défendez-moi les dinosaures là. Je crois que j'ai tiré sur le modèle réducto. Oh merde. La boulette. Oh là 44. Là. T'es veux pas nous lâcher la rampe Oh non. Ouah. Non. Turnip. Oh non. Je beat dead. Ah bah en plus on est trop con, on a pas fait de... On a pas fait de lit. Non. Ça paraît pas loin là. Ouais, c'est un peu loin là quand même. Si je suis très courageux, je réapparais là. Mais alors ça risque de me le faire. J'ai plus de munitions. Niveau... Là c'est niveau 45. Mais ça c'est un point d'exclamation. Je me fais avoir mes 45... Il était énervé le truc. Ah là il y a un balai volant en haut. Là j'aimerais bien qu'ils reviennent pour pouvoir, mais j'ai plus beaucoup de vie. S'il descend, je suis mort. Ah bah. Putain, j'arrive pas à le toucher avec ça. Bon, j'ai utilisé mon fusil à pépon. Oui, du coup, c'est un peu plus humiliant au niveau 45. Hein. Je sais pas quoi faire en fait. Est-ce que je réapparais pas loin? Est-ce que je tente la réparation pas loin mais je sais pas où c'est? Après depuis tout à l'heure je mets des gros taquets. Oh putain, mon modèle réduit. Je tente la réparation pas loin quand ton cas. Ah mais modèle. Mes modèles réduits, il va trop loin, je peux plus suivre là. Ah non, le combat continue là-bas. Ah non mais là il est tout seul, il a plus d'endurance et tout, ça va être la merde pour le modèle réduit. Mais... Oh non 26. Ok, c'est modèle réduit qui a donné un coup. Ah ouais, c'est pas pareil. Oh, putain, mais ouais, mais je suis trop loin, je suis en bas, faut que tu réapparaisses là. Mais je suis réapparu, mais le temps que je revienne... Attends, faut que je prenne modèle réducto, je suis trop con. Bah, je te le prête, ouais, pas de problème. Pour voir les clés dans la boîte à gants. Le reste du live va être consacré à récupérer l'inventaire des dinosaures, à entrer, retrouver le dodo. Bah franchement, on va pas s'acharner. Si j'arrive pas à retrouver rapidement mon cadavre, l'inventaire, je vais dire bye bye. Hein. C'était prévu, de toute façon. Ouais, on avait plus ou moins anticipé le délire. Putain, je vois pas où ils sont. Ah, c'est là-bas. Mais malgré ça, je suis très content d'avoir exploré le monde avec... On se fera d'autres pteranodons, c'est pas grave, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Putain, ils sont où encore les cons? Peut-être qu'on les retrouvera un jour. Peut-être qu'ils... Ce serait bien qu'ils puissent faire refaire le chemin jusqu'à la base. Ah mais là, ils sont toujours en affrontement. Hein. Si tu me rejoins, il y a moyen de le prendre, le griffon. Hein, parce que depuis tout à l'heure, j'ai utilisé toutes mes balles quasiment. Non mais... Tu te rends pas bien compte de là où je suis réapparu en fait. Peut-être pas, effectivement. C'est genre extrêmement loin. Et puis alors, je risque de tomber sur une... Merde, je suis dans la tête. Une armée de joyeux drills, hein. De guélurons qui vont sûrement me souhaiter la bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Là, il suffit juste que je tombe sur un dinosaure un peu belliqueux. Comme ça, par exemple. Putain, par contre, le combat qu'il y a entre modèle réduit et le griffon, il est infini. Hein. Un modèle réduit, il a pas beaucoup de force, pas beaucoup de vie, mais tant pis, hein, il y va. Mais le problème, c'est que là, je vois pas trop comment faire. Ah si, un griffon, ça se bolosse ou pas? Ah putain, il se barre encore. Ça se bolosse. Ça se bolosse. Ah oui. Est-ce que ça se bolosse ou pas un griffon? Parce que si j'ai réussi à le mettre au sol, c'est terminé pour lui. On va aller l'attaquer le griffon. Oh vas-y, on le déboîte là. Là les deux modèles réduits là. Et pourtant il s'est pris quelques bastos hein, de fusil à pompe. Hein. L'avantage c'est que je suis mort, ouais, mais... je pense qu'il me restait qu'une balle de fusil, donc j'avais donné tout ce que moi aussi, hein, j'en ai mis pas mal là aussi. Hein. Je sais pas exactement où je suis mort hein, par contre. Il me semble que c'était. En plus de nuit, c'est toujours la merde pour savoir.
Ouais, en plus c'était en hauteur, en haut d'une falaise. Faut juste que j'arrive à une portée suffisante pour que modèle réduit me dise, se dise, ah, il est là mon maître, je vais aller le chercher. C'est-à-dire que la modèle réducto, je suis en train de le conduire donc. Ah ouais. Après, tu pourrais peut-être me trouver, mais même si tu me trouves dans l'absolu, ça va pas changer grand-chose. Hein. Ouais, mais surtout que là, le combat il est infini en fait, il tourne en rond et du coup, modèle réduit, comme il a pas beaucoup d'endurance, des fois il s'arrête et il y a que là où tu peux commencer à essayer de frapper le griffon, mais sinon. Même c'est que moi je vais crever de faim et de soif avant de pouvoir revenir jusqu'à vous. Bah voilà, vous mourrez de faim, bon, bah, c'est bien. Et j'aimerais bien le buter. Il est dead? On l'a tué! Je vais pouvoir venir te récupérer, alors tiens le coup. Mon gars, c'est. Alors il faut qu'on vole, tant pis. Tant pis, il faut qu'on s'envole là. Ouais, Faut qu'on y envolez-vous, aille. faut que tu viennes avec de la bouffe. Ouais, parce qu'en fait, il y a des espèces de jaguars ou des trucs comme ça. Et les deux te Ok, suivent? fou! Ouais, les deux me suivent, ouais. Oh, trop bien! Tu vois où je suis? Tu me vois sur la carte ou pas? Je te vois, t'es à Oh, mais ça, 600 eh, putain, mètres. mais ça, eh, ça, franchement, heureusement que c'est le cas, parce que sinon. Par contre, il va juste falloir que je me pose de temps en temps, mais. Bah, moi, je bouge plus, je me réserve. J'ai un peu froid, merde. Par contre, je suis un peu dans la neige à poil, mais c'est pas grave. Ouf. Oh, j'ai l'impression d'être un quelqu'un qui a survécu une avalanche et qui attend désespérément l'arrivée des secours. T'es loin de moi? Je suis loin? Ben, je vois ton cadavre. Putain, je peux pas le pinguer. Attends, faut que C'est. je regarde sur la map. Où est-ce Oh, que. peut-être. Est-ce que tu vois ce ping là? Je vais pinguer là. Tu fais comment pour ping? J'avais trouvé la touche tout à l'heure. Comment Parce que sais-tu? là, je vois littéralement ton cadavre qui est là, mais j'arrive pas à sortir ma map en fait. Non, mais tu peux pas pinguer sur la map. Tu peux pas pinguer sur la map. Tout à l'heure, j'avais trouvé un bouton pour pinguer devant moi, mais j'ai oublié ce que c'était. Ok, bon, je suis passé à la caméra Bon, ok, externe. alors il faut juste que je Je me calme. rappelle que donc, du coup, ce sera sur cette espèce de crête enneigegée. Tu me vois sur la map ou pas, toi? Non, moi, je te vois pas. Merde, pas moyen de. Bon, tant pis, on va faire ça. Il faudra Saut. allonger cette montagne. En suivi. Bon, c'est trop bien d'avoir des pteranodons. Je suis déjà à 300 mètres de toi. Oh, trop bien. Ça va être incroyable quand je vais devoir arriver. Par contre, ma vie elle descend, mais trop vite. Il me faut de la bouffe, mais vite. J'arrive, je suis à 100 et quelques mètres. J'attends. J'entends les pas de l'hélicoptère. Oh, qu'est-ce que c'est Merde. beau! Oh, quelle Bon. scène magnifique! Oh, Modelo Redouto! Oh, est-ce que t'as un peu de viandasse, mon petit Aijin? De la viande. Ouais, attends, je divise ma pile de moitié et tiens. La balance pas! La balance pas! Ah! C'est de la viande crue, j'aimerais de la viande cuite, moi! Ah pardon, oui, je suis con. Attends. Tiens, bouffe cette viande crue! T'es prêt à réceptionner? Ouais, Tiens. c'est bon, merci. Ah, oh, je m'en fais péter le bide, je m'en bats les couilles. Oh, ça fait du bien. Ah putain, je pensais pas qu'on allait avoir le griffon, mais en fait il est mort, je m'apprêtais à le déplumer quand soudain il y a eu des espèces de tigres à dents de sabre qui sont arrivés. Je fais bon, on va pas prendre le risque. Ah, oh, t'as bien fait. Oh, maintenant. Alors suis-moi, du coup, techniquement on devrait pouvoir récupérer ton cadavre parce qu'on n'est pas loin en fait. Oh. Alors, ça, c'est Alors incroyable. Ça, c'est une tournure d'événements que je pensais pas voir. j'ai juste vu en fait encore pas ton cadavre, mais en fait je voyais ton corps comme si t'étais là. Hein. Donc j'espère que ça va matcher. Donc normalement si on longe par là. Ouais. Bah, moi, je viens de faire un caca aérien. Le caca aérien, c'est une Ah, mais je le bêtise. vois, mon cadavre. Je vois mon trévers. Ah cool, donc il est là, il est en bas, on est d'accord là. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bon, Oh oups, là là je là, vois. c'est incroyable cette scène. Alors Incroyable. là c'est peut-être moi, c'est moi qui ai Oh chié. Hein. Reste pas derrière. là 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 là, quelle chance, mais quelle chance! Oh là là, Ah bon, putain. je suis mort debout, je suis mort congelé en fait, regardez ça. Mon perso il est debout, en train de courir. Ah putain, j'ai récupéré, tu sais, sur l'un des trucs, je sais pas comment on a appelé ça, les espèces de coffres qui descendent du ciel, j'ai récupéré une lampe tactique. Ah, c'est cool ça. Donc on peut mettre ça sur les armes à feu, sauf fusil à canon scié. Et bah, après j'ai un flingue, mais bon, j'ai plus de balles. J'ai tout utilisé contre le griffon. Oh, mon fut, il est cassé. Bah du coup moi aussi je vais être en slip. Pas bienvenue. Merci Aijin, tu t'as été un héros. Du coup j'ai mon modèle de moi en slip là. C'est énorme parce qu'on a affronté le griffon. Du coup, comme j'avais plus de munitions et que je pouvais plus l'atteindre, parce qu'avec l'arbalète, je savais que j'allais jamais réussir à le toucher. Et bien, modèle réduit, il a amené le griffon contre une falaise. Là, avec modèle réducto, je suis arrivé, on lui a picoré la gueule à l'autre con là. Excellent. Et à force de faire ça, il est mort. T'as bien joué.
Bien joué. Hein. Ah, disons, je mets de côté tous nos différends de Triceratops et de mammouth là. C'est. Je me rends compte à quel point c'était futile de se battre pour ces conneries. Mais oui, puisque finalement, ce qui prévaut, c'est l'amour entre nous Ouais. deux. Donc, je vais...